Bonjour, c'est maîtresse Malien de l'équipe Sakura.net. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faciliter, de vous faire comprendre la notion de l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser une personne, un animal, un objet. Exemple, le petit chat, l'armoire blanche, une belle écriture. On prend l'exemple du le petit chat. Lorsqu'on ajoute le mot petit, on peut désigner facilement de quel chat on est en train de parler. Un autre exemple, le petit chat noir, le grand chat marron. Ça nous donne plus d'informations, plus de renseignements sur le nom. L'adjectif peut être placé devant ou après le nom. Devant le nom, une petite fille. Ici, l'adjectif petite est placé devant le nom fille. Des cheveux blonds. L'adjectif ici, c'est blond. Il est placé après le nom cheveux. Dans un groupe nominal, on peut trouver un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Exemple, de longs cheveux blonds. Alors le nom, c'est cheveux. Et on a ajouté l'adjectif long et blond. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, le grand camion. Alors, camion est un nom masculin singulier. L'adjectif grand aussi est au masculin singulier. Une grande voiture. Voiture est un nom féminin singulier. L'adjectif aussi s'accorde avec le nom voiture. Grande, il est au féminin singulier. Les grands camions. Camion est un nom masculin pluriel. On trouve que l'adjectif prend un S du pluriel. Grand à la fin S. Grand aussi est au masculin pluriel. Les grandes voitures. Voiture ici, c'est un nom féminin pluriel et l'adjectif aussi prend ES. Il est au féminin pluriel. Pour plus de vidéos, vous pouvez visiter notre site web www.